Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation des derniers jeux qui sont arrivés chez moi. Il y en aura encore une, je pense. Je vais couper les jeux en deux ici. Enfin, couper les jeux en deux. Non, je vais rien couper du tout. Je ne vais pas vous les montrer tous dans la même vidéo. Ça serait un peu long, je pense. Et en plus, j'en attends un qui met vraiment du temps à arriver. Je ne sais même pas s'il va arriver finalement. Et j'attends un autre que j'ai acheté il y a peu et qui donc va arriver cette semaine, je pense. Donc, je ferai la deuxième vidéo probablement dans la semaine pour vous la mettre en ligne un petit peu plus tard. Alors, on va commencer par un que je vous ai montré dans la vidéo sur les jeux de la rentrée. C'est donc l'oracle de la révélation de Audrey Le Bréquier et Fanny Hervé. Il est aux éditions Merci les Livres. C'est un jeu que je n'ai pas vu beaucoup passer sur les chaînes que moi je regarde. Mais à chaque fois que je le voyais passer à vendre, il m'intriguait. Il m'attirait même. De par ses peintures. Et finalement, je l'ai trouvé sur Vinted à un prix vraiment très peu élevé. Et je me suis dit, allez, je vais le prendre. Vous voyez, ne serait-ce que la carte là, avec la rose, ou cette fameuse carte qui est reproduite aussi sur la boîte, que je trouve magnifique. Alors, on a un beau livre avec. Il est quand même déjà épais. Voilà, on a donc un sommaire. On a le mot de l'autrice et le mot de l'illustratrice. Chacune à propos de l'autre. On a une introduction. Donc, général, sur l'oracle, on a comment préparer les cartes. Donc, le basique. Alors, au niveau des tirages, on a juste le tirage en croix. On a un tirage en losange. Et on a un tirage à deux cartes sur un tirage relationnel. Et on a encore un tirage à sept cartes. Donc, c'est assez classique. Ensuite, on arrive aux significations des cartes. On a la reproduction en noir et blanc. Ensuite, on a une description de la carte, un message et des mots-clés. Et on a ça pour toutes les cartes. Donc, ça, c'est pour ce qui est du livre. Et après, je pense que... il y a à la fin des exemples de tirage, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc là, ce sont des exemples de tirage. Après, on a quelques templates, hein, pour pouvoir noter des tirages si on veut. Puis ben, on peut aussi les photocopier pour en avoir plusieurs. Et puis voilà. Donc on a apparemment une édition de 2021, puis une édition de 2023. Donc celui-ci apparemment a été imprimé en septembre 2023. Donc il a un an. Alors, ce sont des grandes cartes et plutôt glossy. Elles sont un peu fines, mais comme elles sont vraiment brillantes, je pense qu'elles tiennent dans le temps, voire bien. Hein. Je ne pourrais pas vous dire. Voici le dos que je trouve sympa aussi. Ce ciel étoilé comme ça. Ou cette voie lactée, ou ce cosmos. Enfin, on prend un peu comme on veut. On a des tranches dorées. Et donc, voici les cartes. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que les peintures sont vraiment jolies. Regardez par exemple le personnage. Bon, il faut dire que je suis une fan des personnages. Je trouve ça très joli. Par exemple, celle-ci, je la trouve intéressante avec la racine. On a le personnage tout petit en haut. Et on a toutes les racines qui prennent la carte. Donc je pense que on a vraiment cette signification en tirage d'aller vraiment voir à l'origine de la situation, ou
ont creusé loin dans la famille. Enfin, ça dépend évidemment du contexte, hein, bien entendu. Mais ça veut vraiment dire que c'est l'origine de la situation ou du blocage ou peu importe, ou de la personne aussi, hein, qui est le plus important. Alors, l'accomplissement, la guérison, coopération, cheval ailé, le papillon. Tristesse. Bon, on a aussi des cartes un petit peu qui sont un peu moins positives, le rêve, donc celle de la boîte, le labyrinthe, l'abondance, l'âme. Il travaille sur les émotions, hein, ce jeu. Donc c'est intéressant pour ça aussi. L'étoile filante, le libre arbitre, le temps, la clé, la carte des sept, la porte. Je trouve toutes ces illustrations-là, elles sont vraiment magnifiques. Audrey, le soleil, le travail. Ah oui, je vais la mettre de côté. Je vais revenir après. le travail, donc. Cristalline, le saboteur. On connaît ça. La guidance, la lumière, le karma. L'amour, l'araignée, la constellation, la dépendance. Et on nous note bien qu'il faut justement s'en détacher. Hein. Le passage, la mémoire, la dépression. C'est intéressant. Hein. Fanny, voilà, je la mets de côté. Espoir. Le détachement, le grimoire, abracadabra, le miracle. Elle est très très belle celle-là. Celle-là me fait penser aux peintures de Joël Agoulon-Péto. Me fait vraiment penser à certains de ses tableaux, à certains de ses peintures. Certaines de ses peintures. La gratitude, celle-ci aussi d'ailleurs, c'est pas. Un peu un style dans lequel elle a travaillé. Pas toutes ses peintures, évidemment. Et vous voyez, dans cet oracle, il y en a d'autres qui sont travaillées autrement. Mais ces deux-là, hein, je pense que c'est pour ça aussi qui m'a attiré ce jeu. L'ange, le monde, la révélation, l'intuition et la carte verte. Alors, pourquoi est-ce que j'ai sorti ces deux cartes du jeu? Parce que on a deux cartes qui portent les prénoms des deux créatrices en fait. J'ai trouvé ça intéressant, vous voyez. On a Audrey et on a Fanny. Voilà, je trouve que c'est intéressant parce que en même temps, elles ne se sont pas auto-représentées, on va dire. Vous voyez, c'est juste les titres des cartes. Et je trouve que c'est intéressant. Voilà, c'est la 17 et la 18. Donc, je trouve ça chouette. Donc voilà, un très bel oracle. Je l'ai utilisé une fois. Et avec un tirage à une carte, simplement. Et c'était pertinent. Donc, à voir pour la suite, puisque je n'ai pas encore beaucoup utilisé. Alors, poursuivre. Deux jeux des manufactures des merveilles que j'ai trouvé sur Vinted, qui m'appelait depuis un moment. Je n'avais encore jamais franchi le pas. Et puis finalement, ben voilà. L'occasion fait le larron, d'autant que je discutais justement avec une abonnée. Des jeux de manufacture des merveilles et là qui se présente sur Vinted à moi. Donc l'oracle des icônes qui est intéressant parce que dans le petit livret ici vous avez des poèmes sibylliques comme signification des cartes. Et ça j'aime encore bien. C'est un petit peu une des caractéristiques de manufacture des merveilles pour certains de leurs jeux.
C'est aussi le pouvoir des mots. Donc ici, c'est le cas un petit peu, puisque vous voyez, par exemple, vous avez cherché dans le connu, cherché dans le passé pour résoudre sans peine la situation ou répondre sans faille à toutes les questions. Car de l'expérience, on n'a jamais assez. Voilà, donc vous avez des petites phrases dans lesquelles peut-être vous allez trouver un mot qui va vous parler plus qu'un autre, peut-être, ou ce genre de choses. Alors, voici le dos, je l'aime beaucoup. J'aime bien certaines de leurs... on va dire de leur point de vue comme ça, de leur choix assez classique. Celui-là, j'aime beaucoup. Et donc, voici, ce sont donc des gravures anciennes. Donc, voilà. Ça, il faut aimer. Moi, celle-là, je les trouve belles. J'achète pas tous les jeux avec des designs anciens. Parce qu'il y en a où ça ne me plaît pas trop, en fait. Hein. Simplement, c'est une question de choix. Hein. Mais par celui-ci, je le trouve... intéressant. Après, ça pourrait être la force du tarot. Voilà, je trouve je le trouvais intéressant surtout au prix où je l'ai trouvé. Il était voilà, il était bien et en très bon état. Donc voilà, un beau petit oracle qui a son originalité, on va dire. Alors, un autre, c'est l'évocateur. Donc celui-ci, je pense que pour le moment, il n'y en a plus beaucoup. Mais à mon avis, il va réimprimer puisqu'il fait presque toujours. Donc, ne paniquez pas si vous voyez qu'il est en rupture, même si c'est mi-rupture. Définitif parce qu'il a déjà fait avec d'autres jeux et après ils reviennent quand même. Donc n'allez pas l'acheter non plus à un prix de fou parce que il risque quand même de revenir d'ici quelques mois. Donc l'évocateur, donc c'est un oracle spirit et divinatoire. Je vous dis ça parce que notamment il l'a fait avec les 66 talismans. Il avait dit qu'il ne le ferait plus. Il l'a fait en oracle. Carte et finalement il a refait quand même le coffret avec les talismans. Donc on va se dire que peut-être il se laissera quand même porter par ça. Alors il fait comme il veut, bien sûr il a le droit. Peut-être que au moment où il a dit qu'il ne ferait plus, il avait vraiment cette ferme intention, mais dites-vous que ça peut être aussi une technique commerciale. Celui qui est bien implanté dans le domaine de la cartomancie de nos jours, c'est que un jeu qui n'est plus disponible va prendre de la valeur. Il sait aussi que c'est un argument de vente. Donc, voilà, je vous dis ça simplement par l'expérience que j'en ai et de l'observation. Alors celui-ci, pourquoi est-ce que je l'ai pris? Parce que je trouvais que c'était un jeu. Donc il a été inspiré d'Alan Kardec, hein, du livre des médiums. Donc c'est vraiment pour c'est un oracle, encore une fois, pour se connecter aux défunts. Et j'ai trouvé que il était bien fait. Voilà. C'est pour ça que je l'ai pris. Puis j'en ai pas non plus énormément. Enfin, j'en ai d'autres. Notamment, j'ai l'oracle des médiums de Jean-Patrick de Coninck. Mais je trouve qu'il n'est pas nécessairement vraiment fait pour... Enfin, il dit qu'on peut le faire. Il ne dit pas non plus que c'est pour ça. Mais qui ne sert qu'à ça. Mais
Moi, il ne me connecte pas nécessairement au milieu, au défunt, on va dire. Donc là, il vous donne simplement des petites méthodes de tirage. Mais il n'y a rien de très... C'est assez basique, on va dire. Hein. Vous n'apprendrez pas grand-chose. Et vous avez... le reste est sur les cartes. Hein. Il n'y a pas de signification de carte dans le petit livret. Alors, vous avez des catégories de cartes. Vous pouvez aussi faire un tirage avec toutes les cartes mélangées. Ça peut marcher. Moi, j'en ai fait un qui était relativement parlant. Donc, ce sont des cartes carrées. C'est sympa. J'aime encore bien. Ça change un peu. Alors, on a, selon les catégories, des dos différents. Vous voyez, je les trouve très jolis, les dos. Bon, ils sont dans ce style un peu ancien, hein, évidemment. Mais vous voyez, je trouve... celui-là, on l'a déjà eu. J'en ai combien là? 1, 2, 3, il me semble qu'il y a 4 catégories de cartes. Et voilà. Voilà. Donc, c'est un jeu vraiment, je trouve, l'idée, il est intéressant. Bon, moi, j'ai quand même quelques défunts maintenant dans ma famille. Et, je veux dire, des défunts, tout le monde en a, mais des personnes que j'ai vraiment longtemps connues dans ma vie. On va dire, hein, parce que tout le monde a des défunts. Par exemple, il ne viendrait pas trop à l'idée de me connecter avec mon grand-père paternel que je n'ai pas connu et qui est décédé avant ma naissance. Je ne vois pas trop. Enfin, je ne sais pas qui il était. Je n'ai pas cette attirance d'aller me connecter avec lui. Par contre, ben, j'ai mon père qui est décédé, j'ai là une des sœurs de ma mère, une autre sœur de ma mère aussi, que j'ai quand même connue pendant longtemps. Disons que au moment où elle est partie, je ne tirais pas les cartes, donc c'est clair que j'aurais pas eu cette idée-là à ce moment-là. Bon, mon père et mon autre tante, je tirais déjà les cartes quand ils sont partis, donc c'est peut-être pour ça que je suis plus tentée. J'ai mes deux grands-mères aussi, que j'ai perdues. J'étais déjà ben, au-delà de la trentaine, donc j'ai eu la chance de les garder longtemps. Et elles, comme je les ai quand même bien connues, ben, ça peut m'arriver de vouloir me connecter. Vous voyez? Donc ici, par exemple, on a des lieux. Il y a un lieu familier. Ici, on a les personnages. Une femme, une jeune femme. Là, on a des initiales pour former des mots ou des noms. C'est assez bien parlant, franchement. Vous voyez, là, on a de nouveau dans les personnages. Ici, on a le temps. Le jour père. Là, on a de nouveau des initiales. Et là, on a vraiment des messages. Donc, comme P, par exemple. Là, on a encore des personnages. Un animal aussi. Donc là, on a les initiales. Là, on a de nouveau des éléments, un petit peu comme, je pense, comme le, là, on avait le lieu, vous voyez. Voilà, le lieu. C'est la même catégorie. La terre avec beaucoup de mots-clés, vous voyez, des airs. Par contre, ici, on a comme la paix, on a épanouissement. Ici, on a de nouveau, c'est la même catégorie, ça. Non. Donc ça, c'est de nouveau des cartes de temporalité. Voilà. Donc, il est complet. Je le trouve joli. Je n'ai pas acheté pour les illustrations. Vous voyez, là, par exemple, on a à coup sûr. Ça va avec celle-là, je pense. Non, c'est encore une autre catégorie. Obstacle, probablement. Mais je ne le connais pas encore bien, je l'ai utilisé une fois et c'était pertinent. Mais voilà, je l'ai acheté vraiment, mais pour sa construction, pour son thème, pour sa construction, parce que je pense que réellement, il peut vraiment m'aider. Quand j'ai envie de me connecter avec ces défunts-là. Bon, je pense que je l'utiliserai que pour ça. Voilà.
Mais je vous dis, le tirage que j'ai fait était assez pertinent, même en ayant mélangé du coup toutes les catégories. Parce que ce qui est intéressant aussi avec ce jeu, c'est que justement, si on ne les mélange pas, on peut avoir des réponses relativement précises. Mais moi, j'aime bien aussi parfois d'un petit peu forcer les jeux à aller au-delà. Je pense juste à ce moment-là à Vivi Moon qui a présenté un jeu de Denise Lynn en anglais qui me fait de l'œil, mais je vais attendre de voir s'il ne va pas être traduit. Parce que les jeux de Denise Lynn, les derniers, ils ont été traduits, donc je vais attendre. Il est assez récent. Et donc c'est un jeu, bon, vous savez, Denise Lynn, c'est un jeu quand même assez perché, quoi. Plutôt spirituel, etc. C'est un jeu sur des voyageurs du passé, donc il parle de lieux passé, de lieu mythique, il est plutôt axé un petit peu et antérieur, ou ancêtre, tout ça. Et elle lui a posé des questions purement du quotidien, parce qu'elle a dit, moi aussi c'est trop perché, je ne le garde pas. Et elle dit qu'elle a été bluffée, parce qu'il y a des jeux comme ça qui sont capables de sortir totalement de ce pourquoi ils avaient été faits au départ. Et ça, je pense que ce sont les jeux qui sont vraiment bien construit à la base, et donc ils peuvent même servir pour d'autres choses que ce pourquoi ils ont été vraiment réellement pensés. Et moi j'aime bien faire ça parce que je trouve ça intéressant, et surtout quand on fait ça, quelque part on est forcé, mais forcé c'est un grand mot, hein, mais on est amené plutôt à utiliser plus son intuition, du coup, puisque on n'utilise plus les règles que vous avez trouvées dans le livret d'accompagnement. Alors, un tarot que j'ai trouvé sur Vinted, que j'ai acheté vraiment pour son côté historique et son côté collection, c'est donc le tarot de Juliette et Roméo, donc le Shakespeare Tarot de Luigi Scapini chez Dal Negro. Je ne suis pas sûre qu'on le trouve encore parce que j'ai vérifié avant de l'acheter. Et je pense que du coup, enfin, je suis assez contente de l'avoir parce que je le trouve intéressant. Je trouve que les jeux de Luigi Scapini sont intéressants. On a le petit livre d'accompagnement en anglais. Même si Dal Negro, ce sont des éditions italiennes. On n'a pas la reproduction des cartes, mais ce n'est pas non plus indispensable. Hein. Et on a quand même une belle explication. C'est chouette parce que, du coup, il explique un petit peu ben, certains personnages et puis le rapport avec Roméo et Juliette. Ah oui, et dans l'autre côté, vous l'avez en italien. Hein. Donc c'est anglais-italien. Je pense que c'est souvent le cas chez les éditions Dal Negro. En fait. Vous avez l'italien d'un côté et l'anglais de l'autre. Voilà. Voici le dos. Donc c'est souvent un tarotage assez classique hein, chez eux, puisqu'ils éditent des jeux. À ma connaissance, des jeux plutôt de facture classique. Et puis, ben, voici les cartes. Et donc, je trouve que c'est intéressant, quoi. C'est vraiment ça, un tarot un peu de collection, hein. C'est pas pour ça que je ne tirerai jamais les cartes avec, mais ça va déjà me faire un jeu aussi de travail, d'aller voir un petit peu à quoi ça correspond, pour voir si je peux raccrocher des choses à certains archétype. Hein. Donc voilà. Je trouve qu'il est très très beau l'empereur. Bon, j'ai l'impression qu'il fait. Il n'est pas. Encore une fois, j'ai un problème de focus. Je ne sais pas à cause de quoi. Il fait le focus sur mon tapis de tirage. Hein. C'est tout à fait net. Et puis bah, les cartes, ça ne l'est pas. C'est peut-être mieux comme ça. Trop près. Pendu son crâne.
Mort, oui. Évidemment, Roméo et Juliette. Hein. Mais vous voyez, on a le squelette qui lève les bras. Enfin bon. C'est Luigi Scapini aussi. C'est intéressant. Hein. Je trouve que c'est. Souvent, c'est intéressant ce qui est. Ce qu'il propose. C'est original et intéressant. On a le nom en italien et en anglais. Je vais vous dire, la lune est magnifique. Regardez, sur le balcon. J'aime beaucoup le soleil aussi. Très beau. Alors évidemment, c'est un style ancien, donc on a le bord blanc, on a une espèce de cadre. Bon, ce sont... C'est le style ancien. J'ai regardé, je ne sais pas de quand il date. Je ne sais pas s'il est réellement ancien ou si c'est juste. Pas si je vais le trouver, hein. Pas sûr. Là, je vois pas de date ou si c'est juste style ancien. Là, il n'y a pas de date. Eh ben, je pense qu'on n'aura pas de date. Donc, je ne peux pas vous dire. J'ai pas d'idée. Mais bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'il n'est pas tout dire quoi. Parce que je l'ai cherché sur Amazon, je n'ai pas trouvé. C'est pour ça que finalement, je l'ai acheté sur Vinted. Voilà, je trouve très intéressant. Bon, les mineures, elles sont intéressantes, je trouve, chez Luigi Scapini. Parce que. Scapini. Parce que il mêle. Le Marseille et le Rider, je trouve. Vous avez plutôt de base l'intime Marseille, hein, vous voyez, voilà. Mais il glisse dans l'illustration une scène qui vous permet de comprendre. Bon, ici, évidemment, que le set de coupe, c'est assez facile, hein, puisque de toute façon, sur le Rider originel, on a aussi cette coupe. Donc, avec différentes choses qui les remplissent pour illustrer le choix. Et vous voyez ici, on a les huit coupes. Pour le huit de coupe, on a deux personnages ici qui restent. D'ailleurs, voilà, on peut peut-être aussi analyser les deux personnages, leurs attitudes. Et on en a un qui s'en va avec son petit baluchon. Exactement comme dans l'huit de coupe du Rider. Je trouve ça intéressant. Et parfois, il s'éloigne. Ici, il me semble, je n'ai pas eu le temps de le travailler encore à fond, mais il me semble qu'il respecte assez bien le rider. Je sais que j'en ai un autre, je crois que c'est le médiéval, où sur certaines cartes, il a mis, on dirait, une signification bien à lui, qui s'éloigne du rider. Que ça, c'est le 8. Ouais, c'est le 8 de denier. Vous voyez? Et on voit comme dans le rider un petit peu, voyez? Mais en même temps, comme vous pouvez voir, on a quand même cette espèce de représentation à première vue de plus d'un Marseille. Et voyez ici par exemple, on a le 7 de denier. Donc normalement, ça devrait être cette espèce de patience, d'attente. Et là. Ben, on retrouve pas trop quoi. Bon, il faudrait que je regarde dans le livret. Pour voir s'il y a une explication. Là, on retrouve bien. On retrouve quand même bien le 5 de denier du rider. Hein. Cette personne pieds nus avec des haillons. Et qui passe près d'une maison. Mais par contre, on a ces fameux 5 deniers bien, bien visibles, comme dans un Marseille. Bon, après, je connais pas tous les jeux de Luigi Scapini. Je crois que je n'ai que celui-là et le médiéval. Mais je sais que sur le médiéval, c'est le même principe. C'est pour ça que vous en parle. À propos de celui-ci, puisque ben, je n'avais pas pu déjà vous dire ça, puisque fatalement, je n'en avais qu'un. Et je ne les connais pas. Je ne vais pas regarder.
d'autres. J'ai pas regardé d'autres présentations de jeux de Luigi Scapini. On a un 4 de bâton. Avec un couple au milieu. Donc ça, c'est bien. Un peu le rider. Là, on a le roi au-dessus. Par contre, pourquoi est-ce qu'il y a un panier avec du linge? Grand mystère. On sait rien. Mais il y a toujours des petites choses comme ça. Après, si c'est les bâtons, ça, quand même. Donc, voilà. Alors, les épées. Celui-là est à l'envers, je pense. Bon, celui-là est à l'envers aussi. L'as d'épée. Le 2. Vous voyez, là, il y a comme un accord, par contre, dans le 2. Donc, c'est un peu légèrement différent de Rider. Le 3, par contre, on retrouve un peu l'idée. 4. Le 5. Bon, j'avance un peu parce que c'est déjà long et j'ai encore un jeu pour cette version. Enfin, pour cette partie-ci. Voilà. Donc, pour le tarot Roméo et Juliette de Luigi Scapini, donc le Shakespeare Tarot. Je pense que le sous-titre, c'est Shakespeare Tarot, donc chez Dalmicon. Et alors, on va changer tout à fait d'époque et de style. Le reflet. Un tarot reflet. Je sais pas, c'est pas écrit tarot reflet, mais c'est le tarot comme miroir de l'âme, c'est bien un tarot. Hein. Vous avez 78-78 cartes et un livret de référence. Donc de Mélanie Té, tarologue, et Sabrina Caillé. Donc il s'ouvre comme ceci, c'est une boîte aimantée, par contre elle s'ouvre à gauche. C'est un peu étonnant. C'est les éditions de Mortagne. On a le petit reflet, le petit livret. C'est du reflet, c'est écrit grand AC, livret de référence. En format paysage, donc c'est intéressant. C'est via d'Ottawa. Donc ce serait peut-être des Québécois, je ne sais pas. Ah oui, ma grand-mère, Louise est là, ça se pourrait bien. Voilà, on a une table des matières, une introduction. Oui, c'est ça, c'est une Québécoise, Mélanie. Et Sabrina, je ne sais pas. C'est pas noté, mais bon. C'est assez probable. Préparation et tirage. Je crois qu'il faut que je le mette plus bas parce qu'il fait le focus en mon tapis. Regardez un journal. Puis les arcanes. Oh là là. Conception du tarot, connecté avec les cartes, comment poser une question. Tirage à une carte, à deux cartes, à trois cartes. Et alors, il y a sur des formations qu'elle propose. Et après, on en arrive aux cartes. Donc, on a quand même une petite explication. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas la même chose que ce qu'il y a sur les cartes. Vous allez voir que sur les cartes, on a une petite phrase. Et on a des mots-clés. Et je le trouve extrêmement bien fait. Je pense que pour le moment, ça va être un de mes tarots qui ne va pas me quitter. Je pense que je vais vraiment beaucoup l'utiliser pour le moment. Je le trouve vraiment génial. Donc, voilà, vous avez une description signification droite et signification renversée. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ce n'est pas une redite de ce que vous avez sur les cartes. Ce qui est souvent le cas quand il y a des inscriptions sur les cartes, je trouve. Donc voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Alors vous voyez, il est coloré, il est plutôt dans des tons pastels. Ça m'avait bien plu aussi. Ce sont des illustrations modernes, mais que j'aime bien.
un style que j'aime bien. Voici le dos. Le dos est relativement coloré par rapport aux cartes. Et donc, vous voyez, on a des fonds vraiment pastel. Donc, vous avez le nom, le titre, hein, vous avez l'élément, vous avez trois mots-clés et en dessous, vous avez une petite phrase. Mes impulsions m'amènent dans trop de directions différentes. Je dois rendre le tout cohérent, sinon c'est le chaos. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Je trouve que les illustrations sont sympas. Bon, clairement, c'est pas... je n'ai pas acheté pour l'art des illustrations, hein, mais elles ne me dérangent pas. Et je trouve sa construction, le fait d'avoir tout ça sur les cartes et le contenu, je le trouve très, très, très intéressant. On l'a quand même vu passer. Je ne dis pas qu'on l'a vu partout, mais on l'a quand même vu passer. Et ça fait un moment qu'il est sur ma liste. Je ne m'étais pas encore décidée. Mais ça faisait vraiment un moment... oui, et pour les arcanes majeures, on a le signe astrologique qui correspond. Et vous voyez, les mots-clés ne sont pas toujours au même endroit. Voilà. Je pense que peut-être pour les majeures, ils sont en dessous. Je ne sais pas trop garder. Ils n'étaient pas dans l'ordre quand je l'ai reçu. Parce que je l'ai acheté d'occasion et je m'en suis déjà servi, mais je ne l'avais pas remis dans l'ordre, j'ai juste compté si toutes les cartes étaient là. Donc ça ne m'a pas nécessairement frappé. Mais en tout cas, j'aime vraiment. Parce que, en fait, je trouve que les phrases comme ça, par exemple, je possède tout ce qu'il faut pour créer mon destin. Je trouve qu'à partir de là, on peut arriver à réellement tirer tout le potentiel de la signification du magicien. Vous voyez, que avec juste des mots-clés. Autonomie, initiative, intelligence. Mais quand vous avez cette phrase-là, on se doute bien du coup. Si on possède tout ce qu'il faut pour créer son destin, c'est qu'on est autonome. C'est qu'il faut qu'on prenne l'initiative. C'est qu'on a une certaine intelligence. Est-ce qu'on a les outils en main? Enfin, vous voyez, je trouve que ces phrases-là, ça donne vraiment l'essence de la signification de la carte. Ça permet de tout à fait saisir le fond de la signification. Et à partir de là, vous pouvez les interpréter dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle situation. Donc, dans n'importe quel tirage, pour n'importe quelle question, en fait. Et ça répondra toujours. Vous voyez, par exemple, l'impératrice, j'aime beaucoup la phrase. Je suis à la fois femme de tête et sentimentale. Je communique efficacement. Parce que pour moi, c'est vrai que l'impératrice, on lui voit quand même ce côté assez maternel. Et en même temps, c'est une impératrice. Et on voit bien que... elle mène quand même sa vie. Une impératrice, c'est pas la femme inactive. Il y a aussi tout un dynamisme dans cette carte. Donc, je la trouve vraiment, vraiment intéressante. Voilà. C'est vraiment un jeu que je trouve très, très, très intéressant. Voilà. Mais après, je ne l'aurais pas pris uniquement... S'il n'y avait pas eu tout ça sur les cartes, je ne l'aurais pas pris. Juste les illustrations, je l'aurais pas pris. Clairement, elle me gêne pas. Je trouve que c'est pas mal. Alors après, au niveau des associations des signes astrologiques avec les arcanes majeurs, ça me perturbe un petit peu parce que ce n'est pas ce que j'ai lu dans la plupart des ouvrages que je possède chez moi et qui sont relativement d'accord. Donc ça me perturbe un petit peu. Je crois que je n'en tiendrai pas compte. Parce que c'est pas expliqué dans le livret. Elle ne détaille pas dans le livret, ça. C'est juste noté, là. Donc, voilà. Par exemple, vous voyez, Valet d'épée. J'ai une idée originale et je pense qu'elle peut fonctionner. C'est chouette. Ça permet aussi de mieux connaître
Par exemple, les personnages de cour. Par exemple, voyez cette DP. J'utilise la ruse pour me sortir d'une situation et je quitte les lieux avant de me faire prendre. Mais vous voyez, stratégie, trahison, ruse. Parce que généralement, la carte de, enfin, le 7 d'épée, on dit ouais, c'est la trahison, c'est le vol, c'est le mensonge. Mais c'est pas que ça. Parce que moi, je l'ai déjà tiré, surtout les derniers temps, je l'ai tiré plein de fois pour moi, mais en force, en atout, ou dans quelle attitude adopter. Et à ce moment-là, vous dites, mais attendez, je ne vais quand même pas trahir les gens. C'est pas quand même pas ça qu'on me conseille. Non, non, non. C'est tirer les marrons hors du feu. C'est penser à moi en priorité. C'est arrêter de ne penser que aux autres. C'est de me donner la priorité à moi. C'est tirer mes marrons hors du feu et éventuellement utiliser la ruse. Parce que, voilà, ou être très stratège, c'est-à-dire voir les tenants et les aboutissants et voir où on se situe dans la situation, mais justement pour ne pas se faire avoir ou se faire trahir. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Je trouve qu'il est vraiment bien fait. C'est là aussi le 6 de denier. Je veux retrouver l'équilibre entre donner et recevoir. C'est juste ça, quoi. Il est vraiment bien. Allez, te coupe. Apprends ce qu'est l'amour. Aide-moi. C'est vraiment bien. Et ça, celle-là, elle m'a bien parlé, celle-là. Dans une situation, je suis indécise. Si au moins je pouvais réunir les deux opposés, et ça parlait vraiment de ça. Il y avait vraiment quelque chose qui paraît un peu incompatible, un peu difficile à justement à réunir, et c'était bien ça le nœud de la question. Donc voilà, je le trouve très pertinent. Moi, il m'a bien répondu. Je l'ai utilisé quelques fois déjà. Et vraiment, c'était bien. C'est très bien. Voilà. Par exemple, je suis prête à quitter ce qui ne me convient plus pour une vie meilleure. Donc, ça ne veut pas toujours dire de quitter une situation. Parce que ça peut vouloir dire quitter l'idée qu'on a de la situation. Par exemple, lâcher prise ou libération. Ça peut vouloir dire que simplement on se libère d'une croyance limitante. Donc je suis vraiment. Et je suis fan. Très 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 fan. Ça faisait un long moment que je le voulais. Je me disais bien qu'il allait me parler comme ça. J'avais quand même regardé quelques présentations. De ci, de là, et vraiment. Je suis vraiment. Par exemple, vous voyez, 4 de denier, je prends conscience de ma richesse intérieure. C'est génial, hein? Mais, voyez, dans les mots-clés, on a quand même possession, rang social, et avarice aussi, bien sûr. Mais, voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Ça ouvre très 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 fort les significations des cartes, je trouve. Ça permet de mieux connaître le tarot. Je parle haut et fort quand on me demande mon avis. C'est intéressant ça. L'intensité, passion, honneur. Ouais, c'est vraiment c'est chouette. Et vous voyez, il parle en jeu. Pas tout, pour toutes les cartes, mais pour beaucoup de cartes, il parle en jeu.
Et donc, c'est vraiment un tarot aussi pour le travail personnel. Mais il parle aussi sur des situations, bah, notamment professionnelles, parce que moi, je l'ai utilisé. J'ai utilisé dans le domaine professionnel. Et il parle très bien. Parce que ça peut être la situation, par exemple. Hein, le jeu peut représenter la situation. Par exemple, j'apprends quelque chose de nouveau en collaboration avec une équipe. Bah, ça peut être la situation qui apprend, qui permet l'émergence de quelque chose de nouveau si, par exemple, l'équipe collabore. Ouais, je vous donne que une des interprétations possibles, évidemment, puisque selon le contexte. Six de bâton. Comment me libérer de ce lourd fardeau? Et vous voyez les mots-clés. Engagement, responsabilité, rien n'est acquis. Voilà. Voilà pour ce tarot vraiment très 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 intéressant. Je regrette vraiment pas de l'avoir pris. Et voilà pour donc la première partie de mes derniers achats. Donc, il y en aura une deuxième. Je vais attendre d'avoir reçu bah, ce que j'attends encore. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vais essayer de prendre un moment pour répondre à vos commentaires. Enfin, peut-être que d'ici que vous voyez la vidéo, je l'aurai fait. J'ai pas trop de temps pour le moment. Ça va aller mieux, ça commence à aller mieux. Donc j'aurai déjà pris le temps où je vais prendre le temps de vous répondre. C'est promis. Et puis je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie et puis pour d'autres vidéos bien entendu. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye!